Bonjour à toutes et tous, bienvenue à notre 10e réunion des losers anonymes. Aujourd'hui, nous allons entendre le témoignage d'une nouvelle recrue. Louise, c'est à toi. Bonjour, moi c'est Louise. J'étais cavalière professionnelle, je concourais avec mon cheval Caramel. Puis là, cette Pénélope Prévost là qui est arrivée. Et même Caramel m'a tourné le dos. Mon entraîneur m'a dit c'est fini pour toi. Pour lui dire au revoir, va lui caresser le croupion. Alors c'est ce que j'ai fait, puis il m'a chié dans mes bottes. Alors du coup, en souvenir de ma carrière, je me le suis fait tatouer Caramel là. Merci Louise. On poursuit avec toi Lola. Alors moi quand j'avais 10 ans, j'ai gagné tous les championnats de natation contre leur Manodou. Et puis à 15 ans, elle a gagné 30 cm de plus que moi. Et puis elle a gagné toutes les médailles. C'est pas juste. C'est juste parce qu'elle est grande. Hein. C'est bien meilleur qu'elle en natation. Hein. C'est moi la championne. Merci Lola. On enchaîne avec toi, Tess. J'ai commencé le patinage avec Souria Bonali à Nice. Et notre entraîneur, il voyait qu'on était bonnes hein, quand on était petites. Et il a commencé à nous apprendre les saltos et les sauts. Et moi, j'étais meilleure que Souria Bonali. Alors, je lui ai appris mes techniques pour qu'elle puisse s'améliorer. Et elle a pris tout l'espace sur la patinoire. Aucun moyen de s'entraîner. Du coup, elle a pu faire ses compétitions. Et puis maintenant, elle a son rang de championne olympique. Ça va aller, Tess. On va écouter maintenant... Teddy Riner. J'ai été 7 fois champion du monde et 6 fois champion du Jeux Olympiques. Et là, actuellement, je m'entraîne pour les Jeux Olympiques. On en a déjà parlé, tu t'appelles Alexis. Non, je suis Teddy Riner. Alexis. Teddy. Bon, merci, Teddy. Iliad, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Iliad Biles. Vous connaissez tous ma sœur Simone, je présume, la quadruple championne. Mon père nous a inscrit, ma sœur et moi, à la gymnastique. Et en voulant m'entraîner, je me suis accrochée au poutre du plafond, brisé mes deux jambes et mon avenir sportif. Ma sœur est devenue quadruple championne de gymnastique et moi, une loseuse professionnelle. Merci, Iliad. Et on termine avec toi, Maddy. C'est collé, moi. Moi, c'est les 92. C'est pas sélectionné si haut olympique. C'est Marisol Sepelec. Moi, j'étais dans les gradins avec son mari là. Il avait moi fait bisou. Il a regardé moi loin avec les yeux noirs. Et puis, il a couru vite jusqu'à la rive rousse. Il a gagné. Hein. Et puis, il a sauté sur le gradin. Il est venu côté de moi. Son mari était là. Il a sifflé. Moi-même, j'ai fait pointe droite. Merci à tous. Bon, quant à moi, vous connaissez mes aventures face à Richard Gasquet en 2006, lors de la finale de l'Open de Moselle. Au moment de servir, mon bras s'est figé 2 ans et 3 mois dans cette position. Bon, je crois que j'en ai jusqu'à juillet 2024.